Bonjour à tous, c'est Zombie Ami pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur Rage Against Nexus. Vraiment tout de suite commencer, c'est l'épisode 3. Voilà. Et là on va faire le truc dans l'arène. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je pense que je les mettrai dans la description. Oui, je les mettrai dans la description. Voilà. Comme ma connexion n'est pas très assez puissante, je vous mets tout ça en 720p, mais ça sera pas des grandes vidéos, 30 minutes max, comme j'avais dit dans les anciennes vidéos. Pour éviter que ma connexion pète un câble. Donc après, sinon, je peux plus jouer en multijoueur, Black Ops 2, ceux qui veulent, tout ça, voilà, après, je pourrais peut-être plus jouer ou des trucs comme ça. Ma connexion fera que lâcher et ça sera énervant. On va enlever. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est quoi ça? Ça! Remporter la coupe. Ah, ok. On se salit, on garde les clés. On va quand même acheter des munitions. On dirait que vous avez assez. Munitions, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau d'armée ou quoi? N'hésitez surtout pas à me solliciter si nécessaire. Bon. Allez, bon, c'est vrai. Ah, moi, je lui traite, on doit essayer. Il a survécu, mais il doit tuer. Il n'y a pas de jambes comme ça. Bah, c'est jamais là, mais... La direction donc, générale qu'est-ce qu'on est là en pour mettre tous ceux qui ne participent pas aux réjouissances du jour à partir en quête de quelque chose à massacrer. Désolé. Ouais, mais c'est la guerre en l'air. Tu fais les boulons, hein, genre. Bon, c'est bon, j'ai obtenu la première manche. Merde, c'est un film là, lui, non. Non. Cache-toi.
Eh, je sais, pas plus. Ce Lomax a du talent. J'hésite. On en fait l'un des nôtres ou du hachis pour le petit-déj? Voilà. Arrêtez là, bordel! Vous avez peut-être déjà croisé Ratchet il y a quelques heures, quand vous avez évité Steve et Van Drapprank à tuer ses amis et à s'échapper d'un vaisseau de détention. Le mec, il fait que gagner là. Le mec, il s'arrête pas, il tue tout le monde. Tout tue. Là, on se dirait qu'on l'offre. Ce volcanoïde modifié est équipé de jets de flammes pyrocyniques récupérés sur un vaisseau. Sauterre des Valkyries. D'après ma fiche, le carbonisateur est célibataire depuis peu. Et il s'essaie aux rencontres sur Holodeck. Il cherche quelqu'un qui aime regarder de vieux films, faire du sport et mettre le feu à tout et n'importe quoi. Merde. On essaie de lancer, je dois faire tout. Ce Lomax a très envie de rejoindre les Tuck Forless. Est-ce que veux-tu que te donne un nom? On lui dit que tous les toiles se sont pourvus. Pour le Lomax. Félicitations, on vient de l'espace. Ce magnifique réacteur dorsal flambant de paix, à toi. Je sais pas si je continue ou pas. Bon, on va continuer la mission. On viendra quand. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle armure? Non, ok. Bon, on se dépêche à faire la mission, hein, mais, par contre, après. Après, quand j'aurai fait toute la campagne, si vous voulez, c'est là que je ferai. Voilà. Après ça, il y a directement le montage qui va être fait. Parce qu'en fait, là, je fais 3 épisodes par. En fait, comment dire? Je fais 3 épisodes par 3 épisodes pour éviter comme ça au moins j'ai des épisodes en plus. Parce que comme voilà, la semaine j'ai pas le temps et puis le week-end. Et quand j'ai vraiment pas le temps, c'est un épisode max. C'est tout.
Allez. C'est moi ce qu'il n'y a pas l'effet spécial, c'est que quand il... Non, mais pas comme ça. Et quand il sortit mon ami sur le mode. Allez au centre-ville. Oui, je vais au centre-ville. On va utiliser Oui, le ça réacteur j'avais pour déjà. atteindre chaque pompe. Ce grand que nous voulons va rediriger l'eau de la conduite principale. Et une pompe en moins. Trouvons les deux autres. Ceci est un message pour tous les tugs stationnés dans la ville de Weeblesnog. Un long bac se dirige actuellement vers la gare aérienne. Celui qui me rapportera sa tête aura droit à une prime de 10 000 boulons. Tu sais, j'aimerais vraiment passer ne serait-ce qu'une journée sans que quelqu'un cherche à me tuer. C'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Putain, je suis pas réussi, mais non. Ah, je suis trop loin. Je suis venu faire les charpenteurs. Je suis charmé plus presque. Yoli. Alors, mais dis pas que j'ai... Je l'ai tué. Mais... Ok. Pas de truc, il faut le mettre. Et de deux, plus qu'une pompe. Ceci est vite, vite, Louis. L'enculé. L'attaque. Ah là-bas. Oui, il y a mon cœur. Tu
vais te faire un coup. Allez. Je vais voir le travail. Ouverture de la porte de service principale. Et le pour démarcher. Ok, là. On va devoir rétablir le courant de cette porte. Essaye de trouver une boîte à fusibles. Ces câbles d'alimentation s'enfoncent plus loin dans le tunnel. Ok. Suivons-les. Waouh ! Ça pue. Les gens, je suis désolé si je parle pas beaucoup, mais bon. Ouais, c'est mon truc, hein, mais je parle pas. Mais où est le robot batterie? Est-ce vrai, il est où le robot batterie? Je suis sûr que je ne le pas. C'est de bâtard. C'est de te dire, c'est un machin. Tu veux que j'ai volé. Bon, bah attends. Mais ça va venir, ouais, ça.
Moi, tu passes à côté sans doute. Là, franchement, attendez, hein. Réfléchisse un peu. Ok, on retourne sur notre part maintenant. Que j'ai fait ta larme, j'ai pas rechargé les batteries. Je vais fouiller. Je vais chercher un peu. Tu vas ramasser du bruit. On va être ici, mais bon, on retournera sur les pas après. Je pense pas qu'il y a ici en fait. On va quand même aller recharger ça. Ah bah là, je sais vraiment pas où c'est là. Là j'ai quand même 10 minutes là. Pour vous suivre. Ok, il était sous mon pied, devant moi, mais. Des fois on voit pas. C'est ça qui arrive en fait. C'est où? C'est là-haut. Allez, où il était? Hein? Et heureusement que j'ai eu la fixe à appuyer sur un truc. Hop. Alors. Hop, on change vite, c'est ça. On fait ça. L'eau à volonté. Tous les cas. Ratchet. Ouais, je vois. Bouge pas, on va sortir de là. À part là. Heureusement, je me suis entraîné, mec. Dépasse. Oula. Il faut tourner le crank au boulon pour baisser le niveau d'eau. C'était super chaud, hein? Voilà la gare aérienne. Elle a l'air bien sécurisée quand même, hein?
balance pas dans les airs. Ah bah c'est un munition. Allez, tiens, c'est ça. Pas mal. Pour une boule de poil. Merde. Hop. Le mec il est à fond de temps. En plus c'est une machine en valeur. Moi j'ai 40 000 en fait. Ah là là. Hop là. J'ai dégagé le passage, chef. Ah, on va y aller. On va pouvoir aller chercher là. Ça devrait nous mener droit au but. Trop des mines. C'est j'ai rien. Oh là là, il me donne des airs, il me donne des airs. Il me donne rien toi. Ouais hop, on se passe. Vous entrez dans une zone interdite au vol. Faille dimensionnelle détectée. Je peux peut-être intervenir. Et rentre dedans. Et là, bah, l'épisode, je pense qu'après ça, ça va être fini.
Allez, hop là. Bien joué, Clank. Je pense qu'après ça, les gens, ça va être fini. L'épisode va être fini. Il va se finir, pardon. Bien joué, mon pote. Allons trouver Vandra et Neftine. Ok. Tiens, on va essayer de voir la suite, les gens. On ne peut pas percer les murs de la réalité. Le truc, c'est de les désagréger. Regardez ce que vous avez fait au secteur. Combien de vies Vandra devra-t-elle détruire juste pour ouvrir une poignée de portails? Oui, elle est obstinée, je te l'accorde. Mais comment lui en vouloir? Est-ce que tu imagines voir tes congénères juste là, presque à portée de main, et pourtant inaccessible? Oh. Oui, j'imagine très bien. Mais, à trop vouloir quelque chose, on finit souvent par se perdre soi-même. Peu importe, je la protège. Et puisque vous lui voulez du mal, eh bien, je suppose que je vais devoir vous éliminer. Ok, on fait le combat et après les gens s'arrêtent sur ça. Neptune, je sais que vous ne voulez pas faire ça. Tu ne sais rien. Bon, allez, tous mes chers. Oh, on va pas mourir là. Wow. Ce secteur nous appartient. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à mes amis. Croyez-moi, vous ne voulez pas utiliser ce dimensionnateur. Cette créature est dangereuse. Et si elle faisait du mal à Vandra? Non, 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 non. Je vais voir ce que je peux. Je vais me faire une boîte, Tanyanchi. Les Tugs, je vous paie pas pour oublier. Pas la balle. Appelez-vous et méritez votre salaire. C'est l'heure de se mettre au boulot, les Thank you.
j'avais plein de précisions de merde. Il est venu sur lui, ça c'est... On sent le là. Enfin. C'est un peu plus mal quoi. Mais ça, regardez, il avait plus de vie. Sérieux, et je tue les autres qui étaient autour, mais là, il m'a ramassé tout ce que j'avais dans la gueule depuis tout à l'heure. Mais j'étais surpris. Vous voulez une amélioration? Ah, excellent choix. C'est à vous. Oh, c'est bien ça. Ça, j'aurais plein d'armes pour me battre là, parce que retour au vaisseau. Non, je vais aller me battre. Oh, j'espère qu'ils vont pas me repasser la cinématique là. Je sais que vous. Vous voulez pas faire ça. C'est rien, rongeur de l'espace. On va mettre plus vite là parce que moi. Regarde comment ça vient d'ici maintenant. En fait, c'est grâce à celle-là. Ah, je suis en train de balle. Allez, payez pour ce que vous avez fait à mes amis. Oh. Croyez-moi, vous ne voulez pas utiliser ce dimensionnateur. Cette créature est dangereuse. Et si elle faisait du mal? Déjà, on va enlever la moitié de la vie. Cool. Et j'améliore tout en fait. La bataille c'est de m'améliorer. Grâce à la force de ce camarade de toi, maintenant, tu as osé l'arrêter et tu l'as
jeté en prison. Elle est la seule famille que j'ai. Elle met des vies innocentes en danger. Normalement, on l'a tué, tu vois. De la justice. Vous voulez écouter. Ouais. C'est maintenant que vous dégainez vos flingues. Nous avons attendu 20 longues années pour retrouver les Nether. Je m'attendais à ça de la part des forces défensives de Polaris, mais pas de toi. Toi, tu devrais comprendre. Si vous laissez ce monstre venir ici, c'est toute la galaxie qui sera en danger. Je suppose que tu as raison. Mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Dimensionnateur ! Trouve les Nethers ! Serait judicieux de fuir. Une blague, je vais me battre contre ça. Le plein. C'est là où le vaisseau. Vous entrez dans une zone interdite au vol. Nous sommes coincés. Ok, c'est bon. Bon, dès qu'on retourne un vaisseau, les gens,
dès que la cinématique est passée, moi je. Voilà. J'ai arrêté la vidéo et je me dis pour jeter une vidéo. On va faire ça après. Allez-y, ce téléporteur vous ramènera sur votre vaisseau. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Eh bien parce que j'ai besoin de vous pour sauver ma sœur. Et que vous avez besoin d'elle pour arrêter les Nether. Allez sur la planète Tam, je vous retrouve là-bas. Jusqu'à la planète, et voilà. Très bien, sûr, c'est pour doter. On se téléporte et à la prochaine. Voilà pour la prochaine vidéo. On va laisser charger le cinématique, tout ça, s'il y en a. Et puis voilà, je pense que cet épisode là, j'espère qu'il va vous plaire. Il fait plus de 50 minutes presque maintenant. Et puis voilà. Alors, tu as le coût du risque. Bon, vas-y, tu vite fais ça. Et moi, je vais arrêter la vidéo. Alors, t'as une idée de comment on va trouver Neptune? Mes scanners captent un genre de signal de détresse, mais il ne provient pas de Neptune. Je crois plutôt qu'il s'agit du Nebulox. Voilà les gens, on va se laisser sur ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace.